Allez, ça tout le monde, c'est TazRecupération. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 87. Les amis, alors oui, je mets le jeu en pause pour éviter que le temps y passe. De notre aventure 100% sur Legend Pokémon Arceus, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, les amis, je vais très bien. C'est au niveau de l'épisode précédent. On avait continué notre session de Flamme Étrange dans laquelle on s'était bien attaqué. Honnêtement, c'était très bien attaqué à la Côte d'Azuli. Il nous reste seulement 3 Flammes Étranges à trouver dans la Côte d'Azuli. Aujourd'hui, on va tenter de trouver les 3 dernières. Alors, il ne restait plus que cette île-là. Une grotte à explorer, donc ici, et une grotte qui est quelque part par là, qui en fait nous permet d'amener à l'autre côté. Et du coup, bah, on aura fait, on va dire, entre guillemets, l'exploration à son intégralité pour les flammes étranges. Je sais pas s'il nous en restera derrière ou pas. Donc il nous en reste plus que 3, hein, donc c'est pas non plus grand chose, mais mine de rien quand même, pour une petite zone comme ça, c'est beaucoup. Donc bon, voilà, on va essayer de trouver. Bah regardez, déjà il y en a une là. Ah oui, c'est vrai que c'est un petit peu buggé ce système de... Ouais, c'est vrai que c'est un peu buggé ce système de lave et tout. Alors du coup, là il y en a une. Merci. Alors, il reste encore 2 flammes étranges à trouver dans cette zone. Tant mieux. Allez, il nous en reste plus que 2, les amis. Vraiment plus que 2. On va tenter de les trouver, les 2 dernières. Je sais pas s'il peut y en avoir. Je sais plus si le volcan, est-ce qu'on peut le monter? Je pense pas. Hein. Je pense pas qu'on peut monter le volcan. Hein. Je suis en train de tenter de trouver une alternative, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse monter le volcan. Non, pas du tout. Ah, mais attendez, mais il y a un Zarbi sur le volcan. Oh putain, d'accord. Il y a un Zarbi sur le volcan. Ah bah super. Super. En plus, il va faire jour. Ah bah nickel. Genre quel con. On va pas y arriver. Par contre, honnêtement. Ah d'accord, je sais comment on va pouvoir l'attraper. Le Zarbi. En fait, faut vraiment faire tout le tour. Oh, c'est chiant. En plus, du coup, il nous restera 2 flammes étranges. Ok. Bah écoutez, on va directement tenter de choper ce Zarbi déjà pour commencer. Problème, c'est qu'il faut crafter. Il faut crafter. Donc, confectionner. Et on va confectionner des plumes. Bon, je pense qu'honnêtement, on peut en mettre au moins 10. Là, l'endroit où il est actuellement, je pense qu'honnêtement, on va galérer comme un malpropre pour le choper. Allez. Donc, on va tenter de viser en haut. Non, pas ici. Non. Oui, on l'a eu. Parfait. Coucou toi. C'était pas prévu ça. Non. Casse-toi. C'était pas prévu. Je voulais juste attraper, peut-être avec une hyperbole. Je crois qu'on l'avait déjà attrapé, je sais plus. Histoire. Allez. On va du coup tenter d'aller repiller. Donc le plus proche. Putain, il n'y a aucun truc le plus proche. Bah après 6. Honnêtement, c'est lui vu que là, il y a juste à tracer tout droit. Donc on va repiller pour tenter de trouver les 2 dernières flammes étranges et puis après bah, ça sera bon. Putain, c'est dingue, on trouve un nombre de Zarbi incalculable. Ça se voit vraiment que la visite de ces lieux bah, nous permet vraiment d'avancer de dingue en fait. Oh putain, oh d'accord, on est full hein, on est full. Donc ok, attendez. Ok, on va tout stocker, je vous le dis. Merci. On va y arriver, hein. En fait, c'est vrai qu'il y a une petite latence entre guillemets sur le truc, mais pas du tout. Ça va. Tuc. Putain, le nombre de choses à mettre, les gars, c'est abusé. Ok. C'est bon, là? Eh ben, putain. Parfait! Eh ben putain, il y en avait des choses à mettre. Hein. Abusé, il y en avait des choses à mettre. Alors, maintenant il suffit juste de tracer tout droit. Donc c'est ce qu'on va faire, vous savez quoi? On va tracer tout droit. Alors, je sais... Ah si, on peut quand même se TP, c'est vrai. On va pouvoir se TP. Voilà, on va directement se TP. Comme ça, au moins c'est fait. Et du coup, c'est parti pour explorer les alentours. Il nous en reste plus que 2, hein, donc bon. Ah ah, on a déjà l'avant-dernière qui est là. Ok, avec du coup
Ok, des coffres et tout qui apparaissent. Merci. Fragments de fer et tout ça. Parfait, une hyperbole et tout, c'est dingue. On obtient vraiment de ces trucs. Alors, du coup. Merci pour l'avant-dernière, du coup. Il reste encore une flamme étrange à trouver dans cette zone. Bon. Alors, maintenant, il faut tenter de trouver la dernière. Alors, par contre, je voudrais juste... Et grimpe. Grimpe. Voilà, encore. Grimpe. Parfait. Et maintenant, ben, on va tenter d'explorer tout le contour de l'île. Et sinon, ben, on va aller dans les grottes. Hein, parce que oui, en fait, il y a deux grottes. Il y en a une qui est vers là et une autre qui est là. En fait, et qui... peut-être il y aura la dernière flamme étrange. En tout cas, je l'espère. Parce que pour le moment, il n'y en a pas d'autre. Pour le moment, il n'y en a pas d'autre. Hein, donc, ouais, bon, bah écoutez. On va tenter d'y aller. Vous savez quoi, on va tenter d'y aller. Il est à côté, donc... Alors, je crois que c'est pas celle-là, il me semble. Hein. Il me semble que c'est une qui est plus loin. Peut-être, si, je sais pas. Je sais pas. Je sais plus du tout. Alors, vous savez quoi, de toute façon... Non, c'est pas celle-là, mais en tout cas, on va devoir y aller pour celle-là, parce que peut-être... Elle sera là, la dernière. En tout cas, quelque part par là. Ok. Ça fait très peur. Ok, il y a une genre de trucs qu'on connaît. Non, c'est pas ici malheureusement. Donc on va vite devoir changer. Allez, Paraguay ou... ok. Farfurex, s'il te plaît. Et monte. Merci, allez. Voilà. Du coup. Oh là, attention. Merci. Qu'on va aller tenter de trouver la grotte. Et puis après y entrer dedans. Ah non, elle est là. Eh ben voilà, on l'a trouvé. Même pas besoin d'aller dans la grotte actuellement. Oh, on peut quand même, vu qu'on est à côté, on va quand même aller la visiter. On n'a jamais été, donc on va la visiter. Et puis après, on ira du coup dans la prochaine zone. Vous avez trouvé toutes les flammes étranges de la zone. Oula. Putain, on a eu chaud là. On a eu très très chaud. Ce qu'ils disent, voilà, c'est ça là. Ouais, c'est ça là. Allez, go. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je sais pas du tout. Ok. Ah, d'accord, en fait, ok, on pouvait pas entrer comme ça. Ok, en fait, c'est une autre partie. Est-ce qu'on a déjà été une fois dans notre vie? Pourquoi il y a personne? Ah, peut-être il y aura quelqu'un de jour, ou peut-être c'est pour une quête. Peut-être on l'a déjà fait, mais je m'en souviens plus. Voilà, peut-être on a peut-être dû la faire, mais que je m'en souviens plus, en fait. C'est tout fou. J'ai peut-être l'Alzheimer, hein, ça c'est possible, mais bon... Tant pis. Alors du coup, les amis, c'est parti, on va pouvoir du coup partir dans la prochaine zone pour tenter de chercher les dernières qu'il nous reste de flammes étranges. En tout cas, les dernières, enfin en tout cas, pas, je dis ça les dernières, mais non, c'est les premières justement de la prochaine zone. Capturer 3 Pokémon, oui. Les Arbis, quand même 3 nouveaux Arbis, hein, je dis pas non. Bon. Merci, je vois tout ceci fascinant, permets-moi d'actualiser. Oui, Gravelash et Zarbi. Oh oui, on en a trouvé 16 quand même. Hein. On en a trouvé 16, tant mieux. Hein. Du coup, il nous en restera plus que 12, logiquement. 50. On va retourner au village, ouais. Et on va y retourner du coup dans le contrefort couronné, il me semble, la prochaine zone. Donc, ouais. Allez, let's go. Le contrefort couronné, c'est ici. Prochaine zone. Donc logiquement, il y aura 20 flammes étranges toujours. Par contre, c'est là où ça va être le chiant. Ça va être un des plus chiants aussi. Parce que là, c'est des montagnes à gogo, à la tire à lingo. C'est une horreur. Bon, par contre, vu que la nuit a bien commencé, on va quand même repasser la nuit. On va au moins une nuit complète. Hein. Parce que la nuit, j'ai l'impression qu'elle dure 8 minutes environ dans ce jeu. 8-7 minutes. Donc si on peut, voilà, tenter d'avoir une dernière vague de nuit. C'est pas très français, mais bon, vous avez compris. Oh, bah putain, du coup, on va pouvoir visiter des zones qu'on n'a jamais visitées auparavant. C'est magnifique. Alors, du coup, on va tenter de trouver les flammes étranges. Là, le seul souci, c'est que
Les flammes étranges, c'est une zone trop large. Je sais pas s'il peut y avoir des arbis sur les trucs, je sais pas du tout. Déjà, il y a ça. Donc du coup, la première c'est fait. Et ça c'est une zone bizarre hein. Il peut y avoir un zarbi vers là hein. Il reste encore 19 flammes étranges à trouver dans cette zone. Il fallait s'en douter en même temps. Hein, je le savais. Ok, bon, 19. Hein. Ah oui, c'est vrai que par contre, il faudrait aller voir du coup dans les dans la grotte là, normalement. Ah oui, il faut prendre le chemin normal, enfin normalement, on se comprend. Alors du coup, il faut savoir un petit peu où il y en a. Alors non, ici, il y a une grotte déjà, pour commencer. Donc je pense qu'on va aller, du coup, on va mettre un petit, voilà, on va mettre un petit drapeau, deux petits drapeaux. Comme ça, au moins, on, voilà, on a mis, ah d'accord, on est obligé, d'accord, du coup, on va laisser notre drapeau là. Comme ça, au moins, on saura où aller pour les fois prochaines, parce que là, je veux faire juste les flammes étranges à l'extérieur. Et après, on fera les flammes étranges en l'intérieur, tout simplement, les fameuses flammes étranges à l'intérieur. Ah oui, je crois qu'on ne pouvait pas y passer de sous le pont, je crois que c'était ça le truc qu'on avait tenté et ça marchait pas. Ok. Alors par contre, le blé zélé, pourquoi pas, mais pas maintenant. Ah, c'est une zone tellement large et tellement compliquée. On va tellement chier, je vous le dis pour cette zone. C'est 100% sûr qu'on va, on va en louper plusieurs fois, hein, je vous le dis. Soyez au rendez-vous. Enfin, soyez... oui, soyez au rendez-vous. On se comprend, soyez vraiment rassurés qu'on va vraiment se... On va vraiment s'y perdre plusieurs fois. Surtout, pas s'y perdre, mais dans le sens, en louper. Alors, il reste encore 18 flammes étranges à trouver dans cette zone. Surtout qu'il nous en reste 18. Il nous en reste 18, hein. Il nous en reste pas seulement quelques-unes. C'est ça le problème. Alors du coup, on va tenter de visiter un petit peu plus les hauteurs. Ah, parce qu'en fait, le souci, c'est que... Oh, les gars, mais... Comment voulez-vous chercher des flammes étranges dans cette condition, quoi? What the fuck? Hey, t'as vu? En plus, il y a des trucs derrière. Oh, jamais on va y arriver, je vous le dis. Jamais on va y arriver. Putain, on va tellement pas y arriver. Ok. Il reste encore 17 flammes étranges à trouver dans cette zone. Thank you. Oh non, pas de la... Oh non, mais... Alors, déjà, avec le truc, c'était pas évident, mais avec la pluie... Oh là 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 là, la pluie, quoi. Non, mais vraiment... J'ai vraiment pas de chance à ce point. Attendez. Ok, en fait, il détecte rien, lui. Bon. C'est bien gentil, mais... Il n'y a rien de nouveau ici, hein. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Allô, mais qu'est-ce que tu fous là? Eh ben, tu devrais être drôlement motivé pour faire tout ce chemin jusqu'ici. Tu as clairement fait un choix et tu t'y es tenu. J'ai la méthode parfaite pour quelqu'un d'aussi déterminé que toi. Vous recevez une méthode pour confectionner des papillotes choix. Papillotes choix, méthode pour papillotes choix, ressources requises, 3 feuilles rondes, un forti champignon, un champignon stico et 2 épices rizzélé. Continue d'assumer tes choix dans la vie comme dans l'artisan. Sur ce, je te souhaite la bonne continuation. D'accord, en fait, à mon avis, il y en a un dans chaque zone. C'est 100% sûr, ça. Si j'aurais su ça avant, donc bon, on sait qu'on l'aura fait du coup dans cette zone-là. Ouais, en fait, le problème, c'est que comment tu veux monter? Oh là là, ça va être la merde. Oh les gars, ça va être la merde à fouiller tout ça. Alors là, on va y passer plusieurs épisodes, hein, je vous le dis. Comme les terres immaculées, là, les deux dernières zones vont être très très compliquées. Très très compliquées. Ici, juste parce que c'est trop grand, et deux, et l'autre, c'est juste parce que la c'est la même couleur à deux trucs près. C'est de la même couleur, honnêtement. Les terres immaculées. Oh là 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 là. Oh, mon dieu, ça me fait un petit peu stresser cette histoire, je vous le dis. Oh. Une? Oui, il y en a une là. Target. Target. Mais... Oh non, pas toi. Hein. Oh, c'est bon, au bout d'un moment... Tu pètes des couilles d'être au milieu. Moi, je dois faire mes flammes étranges. Ah, il reste encore 7 flammes étranges à trouver dans cette zone. C'est gentil, mais je sais que c'est pour de l'argent, mais bon, on fera la prochaine fois. C'est bon, au bout d'un moment. Faut pas non plus qu'elle abuse de bonnes choses.
faut pas abuser des bonnes choses. Comme dirait Lupin dans Harry Potter, au bout d'un moment, voilà quoi. Ok, il a arrêté de pleuvoir. C'est comme dans la vraie vie, la pluie c'est vraiment de la merde. Enfin non, pas dans la vraie vie, non, justement j'adore la pluie, mais je veux dire, la pluie est très étrange quoi, c'est pas très logique, la pluie dans la vraie vie. C'est bizarre comme zone, c'est pour ça que j'ai été, mais bon. Allez, on a target une... On a target une flamme étrange, donc on y va. Eh oui! Alors, salut toi. Merci. Vous avez... Il reste encore 15 flammes étranges à trouver dans cette zone. Il en reste 15. Hein. Ouais. Bon, par contre, dans cette grotte, c'est une grotte qu'on peut aller de façon naturelle comme ça. Donc, on n'a pas besoin de cliquer sur le bouton. Ah ben, regardez. Il y en a une ici. Oh oh, j'avais oublié ce léger détail. On peut pas... Bon règle. Thank you. J'avais un petit peu oublié cette... Oh, t'es sérieux? Il y en a une... Mais attendez, mais on fait comment pour le choper là? Attendez, attendez, il faut aller le plus haut possible. Il faut aller le plus haut... Oh, mais comment tu veux aller le plus haut possible? Ah si, bah si. Je suis con, mais vraiment, il faut que j'apprenne à réfléchir. Attention! Attendez, stop! Pas bouger. Merci. On a réussi à la trouver. Enfin, on a réussi à la prendre déjà. Et donc, du coup, il reste encore 14 flammes étranges à trouver dans cette zone. Bon, maintenant... Ah, d'accord. En fait, je crois que le... Parce que le sol... Oh là là, quel abruti. Ok. Oh oui. Alors là, je suis désolé, mais là c'est parfait. Donc du coup, et non. Ok. Alors du coup. Là, s'il te plaît. Me casse pas les couilles. Oh putain, tu vas me casser les couilles maintenant. Parfait. Je t'ai eu. Putain, tellement. On en consomme. Oula. On en consomme tellement des plume balls, c'est abusé. A mon avis, il n'y en a qu'une seule ici, hein. Il faut pas non plus abuser, mais... A mon avis, il n'y en a qu'une seule. Bon. Pas mieux. Allez. On tourne et on abaisse. Putain, il y en a tellement, mais... C'est tellement grand, mais on va jamais y arriver. J'ai juré, on va jamais y arriver. Ok, il y en a une là. C'est trop grand comme zone, c'est abusé. Tu restes avec moi? Il reste encore 13 flammes étranges à trouver dans cette zone. 13, mais on croit... Là, on dit que ça va vite, oui, mais vous allez voir. À la fin. Vous allez voir, à la fin, c'est toujours ça, hein, le problème. C'est qu'au début ça va vite, à la fin on y va lentement. C'est sûr que vous aurez... Je suis con, j'ai balancé une Pokéball. C'est sûr qu'à la fin on ira lentement. Non. Ok, thank you. Allez. En trouver une autre, ça serait encore mieux, mais... C'est encore mieux. Ah. Ok. Ah bah super, il va faire jour. Oh, je vais péter les plombs. Bon, de toute façon, je suis en train de remarquer, on arrive vers la fin de la vidéo. Vous savez quoi? On va retourner, du coup, dans le village, oui, parce que... déjà, pour avoir les récompenses des dernières flammes étranges que nous avons capturées... Enfin, que nous avons pris, enfin, que nous avons... que nous avons capturé avec nous, en fait, si on veut. Donc, déjà, et de donner, du coup, le petit Zarbi au professeur Lavande, enfin, donner, on se comprend. Bon. Parfait. Alors, il semble y avoir pas de nouvelles informations à ajouter au Pokédex. Tant pis, oui, c'est pas grave. Retournez au village. C'est pas grave. De toute façon, on s'en occupera pour l'épisode d'après, donc... Oui, parce que du coup, dans les deux épisodes de la semaine qui arrive, on fera les tâches Pokédex, hein, je vous avoue, on fera pas du coup les flammes étranges. Alors, du coup, déjà, au cas où, c'est bien, on va pouvoir tellement faire les deux épisodes correctement. On stocke tout, hein. Ok. Et voilà.
Du coup, le mec des flammes étranges. Ou la fille plutôt. La fille des flammes étranges. Et ensuite, petit récap. À terme de Zerbi, 17 sur 28, il nous en restera plus que 11 à trouver. Donc on se rapproche dangereusement, honnêtement, de la fin de ces flammes étranges. On se rapproche dangereusement. Alors toi, voyons voir, pour le moment, tu as rassemblé 74 flammes étranges, putain. Il t'en reste donc 33 à trouver. Merci, tu as trouvé 50 flammes étranges, tu as bien mérité un cadeau. Bon, on se fait un fil de liaison. Un fil qui semble abriter une étrange énergie capable de nouer des liens entre les êtres. Il est apprécié de certains Pokémon. Ouais, tu as rassemblé 60 flammes étranges, c'est formidable, je t'offre ça en plus. Bon, ça fait 5 pierres efforts. Ouais, tu as rassemblé 70 flammes étranges, c'est formidable, je t'offre ça en plus. Vous recevez un tissu fauche. Tissu fauche, un tissu imprégné d'une énergie spirituelle horriblement puissante appréciée d'un certain Pokémon. Si tu rassembles encore 6 flammes étranges, je t'offrirai un petit quelque chose. Si tu veux savoir de choses, non, ça va. Bon, bah du coup, logiquement, il nous en reste du coup 33. Cela veut dire qu'il nous en restera du coup 13 dans le contrefort couronné et les 20 des terres immaculées. Donc, on sait bien, on aura quand même pas mal progressé, on aura fait pas mal de petites choses. Et même les herbies, on aura putain de bien avancé. Je suis très très fier, honnêtement, de cet avancement. Question avant toute chose. Ok, et en termes d'objets. Alors du coup, j'ai des objets, mais... donc on va quand même stocker ça là. Ça, je sais. Apprécié d'un certain Pokémon. Certaines espèces. Je sais pas à quoi ça sert. Hein. Allez mettre là, vous savez quoi. Ça ressemble à des trucs un peu bizarres, tissu fauche. Très apprécié d'un certain Pokémon, ça vient de là en fait. Vous savez quoi, on va les laisser comme ça. Ok. Question aussi. C'est important, mais j'aimerais bien savoir déjà. On a de l'argent sur nous. On a de l'argent. 38 000, oui, c'est quand même pas mal. Vu qu'on a 38 000, question. On va quand même tenter d'acheter des méthodes. Eh oui. Il faut nous acheter les dernières méthodes qui nous restent. Donc, on va acheter les méthodes. Donc on va acheter la méthode pour alors total soin peut-être déjà j'aimerais bien acheter la méthode rappel max. Méthode pour rappel max, ok, d'accord. Ressources requises, un rappel et deux bouquets d'herbes souveraines. On va en acheter. Vous avez acheté la méthode pour rappel max, merci. Il nous reste 13 000. On va acheter la méthode pour peut-être total soin. Morceau d'étoile Steve Extra boule gluante. 3 te sont rouges, 3 te sont bleus, 3 te sont verts et un sac de poussière, ok. 3 boules gluantes, enfin les boules gluantes, pardon. Double extra. On va acheter la méthode, vous savez quoi, de total soin. C'est hyper remède. Hyper remède plutôt. Méthode pour hyper remède, ressources requises, un super remède et un bourgeon vivace. Voilà, on a acheté le hyper remède. On a 7 000. On va peut-être acheter une toute dernière méthode. Donc il y a soin PP ou total soin, on va acheter total soin. Méthode pour total soin, ressources requises, un B cerise, un B pêcha et un B frévi et un B willia. Donc on va acheter, vous achetez la méthode pour total soin, ok. Donc comme ça il nous restera du coup une méthode à 25 000, une méthode à 20 000, une méthode à 16 000, une méthode à 10 000, une méthode à 8 000 et une méthode à 5 000. Donc au moins, voilà, au moins on aura fait pas mal de petites choses sympathiques, hein. Honnêtement, on aura fait quelques petites choses sympathiques. Après, honnêtement, on a tellement... En fait, on peut tellement tout vendre. Enfin, pas tout vendre, mais je veux dire, là-dedans, honnêtement, c'est des trucs qui ne servent à rien. 150 000, c'est quand même pas trop dégueulasse. Le problème, c'est que si je commence à vendre tout ça, il faudrait que ça serve derrière. Donc, le problème, c'est que ça servirait à part dans les stacks et tout ça. Parce qu'honnêtement, ouais, c'est très coûteux, quoi. Et du coup, en termes de... Ok. Et en termes de là-dedans, alors du coup, qu'est-ce qu'on... Alors, hyper potion, voilà, hyper remède, ok. Le petit rappel max, on peut voir que... Ok, bon, après, ça, c'est coûteux, mais sans être coûteux, en fait, honnêtement. Donc, ok, on pourra le faire, peut-être plus tard. Le papillon, je vois, papillon qui mange ce plat. C'est une dernière capacité utilisée, ok. Ok, qu'est-ce que tu fous là, toi, madame? Si nous améliorons pas nos relations avec les Pokémon, le ciel se mettra à nouveau à colère. Ok. Bon,
pourquoi pas. Et du coup, en termes de ressources, qu'est-ce que tu me mâches? Enfin, qu'est-ce que je peux t'acheter? Ok. Je peux pas t'acheter des radis, j'ai l'impression. Tu veux pas les vendre, tes putains de radis, hein? Après, c'est normal, vu que les radis de base, on doit les trouver. Je sais plus si je les avais vraiment trouvés à la côte Lazuli. Je sais plus où ça se trouve exactement, les radis. Je sais plus, honnêtement. Je sais plus du tout. Je sais plus du tout. Putain, on peut faire d'une 200aine de Pokéball. Oh putain. Alors, évidemment, on va pas les faire maintenant, mais on va pas non plus tout se faire maintenant. Ensuite, question. Bah, en fait, vu qu'on a. En fait, attendez, mais en fait, je suis con vraiment. J'ai pas le choix. Il faut impérativement que je vende, hein, les ressources. Hein. Les ressources, ça, je suis désolé, on n'en a pas besoin. Hein. Donc, vous savez quoi, on va peut-être s'en vendre. On va peut-être vendre ça. Voilà, on va vendre ça. Comme ça, on a 152 000. Voilà. 152 000. Avec 152 000, on va acheter, du coup, toutes les méthodes qui nous restent à acheter, tout simplement. Voilà, on va acheter toutes les méthodes qui nous restent à acheter. Boule gluante, méthode pour boule gluante, ressources requises, une agrume rongée, une boule de boue et une feuille ronde. Donc ça c'est fait, vous avez acheté la méthode pour boule gluante. Double extra, méthode pour double extra, ressources requises, une fiole d'offensive extra, une fiole de défensive extra et un bouquet d'herbes souveraines. Merci, vous avez acheté la méthode pour double souveraine, enfin double extra. Ensuite, maxi soin PP, méthode pour maxi soin PP, ressources requises, un soin PP et deux bouquets d'herbes souveraines. On achète, vous achetez la méthode pour maxi soin PP. Soin PP, méthode pour soin PP, ressources requises, un BMP et deux plantes PP. Hop, on achète, vous achetez la méthode pour soin PP. Ensuite, esquive extra, méthode pour esquiver extra, ressources requises, deux champignons ninja et une truffe sucrée. Donc on achète, vous achetez la méthode pour esquive extra. Et morceau étoile, méthode pour morceau étoile, ressources requises, trois tessons rouges, trois tessons bleus, trois tessons verts et un sac de poussière d'étoile. On l'achète pour 10 000, parfait. Comme ça, on a tout acheté. Même s'il reste du coup 3 emplacements, donc ça sera sûrement pour dans le futur. Donc on peut voir, hein, les petits soins PP, maxi soins. Restaure tous les PP d'une capacité sélectionnée. Ah oui, les PP, ce sont les genres de. En gros, quand on attaque avec un truc, en fait ça nous consomme un PP. Ok, c'est vrai. Et les morceaux étoiles, ok. Alors je sais pas c'est quoi des tessons, on en a jamais obtenu. Donc je sais pas c'est quoi, ma foi. Ok, ensuite maintenant. En termes de ressources qu'on peut vendre, question, on va tenter de vendre les ça, peut-être ça. Voilà, on va vraiment tout vendre, vous savez quoi. Voilà, et on a 334 000 sur nous. Oh putain, c'est beaucoup quand même. Mais du coup, on va, vous savez quoi, on va pas se faire chier. Il nous faut de l'emplacement de la sacoche pour éviter à chaque fois de transférer quand on n'en a pas besoin. Pour les tâches, on est loin de mourir, mais pour les autres trucs, ça peut être chiant. Donc, vous savez quoi? Allez, oui, 12 000, j'achète. Un excellent investissement, croisant mon expérience. Vous recevez désormais la place pour un type d'objet de plus dans votre sacoche. Voilà, par exemple, cette technique, si vous êtes encore plus d'objets, d'enseigner, quand dis-tu, oui. 14 000, allez, on dit oui. Excellent investissement, croisant mon expérience. Approche-toi donc, écoute bien, vous avez désormais la place pour un type d'objet de plus dans votre sacoche. Pas mal cette technique, tout ça, donc enfin oui. 16 000, allez, on y va. Parfait. Donc là, on va vraiment pratiquement tout dépenser, je vous le dis. Vous avez désormais la place pour un type d'objet de plus dans votre sacoche. Voilà, pas mal cette technique, oui. Je dis oui, sur la cotique 18 000. Merci, un excellent investissement, merci, investissement. Vous avez désormais la place pour un type d'objet de plus dans votre sacoche. Voilà, pas mal cette technique, oui, on connaît. 20 000, j'achète, parfait. Donc vous avez désormais la place pour un type d'objet de plus à votre sacoche. Pas mal cette technique, si tu vas te faire nanana, quand tu dis oui, 23 000, j'achète. C'est très coûteux par contre, les investissements, voilà. Alors je sais pas combien il y a d'amélioration, vous avez désormais la place pour un type d'objet de plus à votre sacoche. Voilà, nanana. Allez, 26 000, on y va. Vous avez désormais la place pour un type d'objet de plus à votre sacoche. Ok, encore, hein, les amis, y a pas le choix. 30 000, allez. Plus on y faut, plus on rit. Bon, c'est très coûteux maintenant. Vous avez désormais la place pour un type d'objet de plus à votre sacoche. Pas mal, cette technique. Oui, merci. 40 000, on y va. Vous avez désormais la place pour un type de plus à votre sacoche. Et voilà, pas mal, cette technique. Non, oui. Donc, du coup, là, ça va être 50 000, voilà. 50 000, par contre, hein. Donc, j'imagine 60 000, peut-être. Vous avez désormais la place pour un type de plus à votre sacoche.
Merci. Du coup, on va faire la même chose encore. 60 000. Parfait. Vous avez désormais la place pour un type de plus dans votre sacoche. Au moins, c'est fait. Alors, du coup, c'est combien? 80 000. Oh putain, what the fuck, 80 000. Ça passe de 60 000 à 80 000. Bon, bah tant mieux. Au moins, on aura pas mal dépensé. On sera tranquille pendant un long moment. Bah, du coup, on va aller voir tout ça. Donc, logiquement, oui, en termes d'objets, on peut vraiment stocker. Hein. En termes d'objets, on peut clairement stocker. 4, 8, 12, 16, 20. Oh, attendez. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 36. Ah non, il y en a 5. C'est 5 par slot. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 50, enfin, 49. Ok, donc on peut en mettre 49 d'objets. C'est déjà très bien. C'est déjà très très bien. Bon, vous savez quoi? On va se préparer pour la fois prochaine. Du coup, hein, on va se préparer pour la fois prochaine. Donc les chenipotes et tout ça. En tout cas, ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi les costumes à acheter. Ah non, c'est pas toi. C'est toi qui achète des costumes. Enfin, c'est vrai qu'il y a des articles, et oui. Ah, de Sarkozy, là, de Sarkozy. Sans quickie. Ok. Tu attends, que je vais me montrer. Origine. En fait, je sais plus ce qu'il faut lui montrer. Voyons voir le bleu maintenant. Quoi, c'est le bleu? Ah, il faut mettre. C'est différentes apparences constatées, c'est ça? Apparence constatée. Attendez, mais... Ouais, bon. Ah si, j'en ai un bleu, en fait. Parfait! J'ignore pourquoi la couleur du corps des Sarkozy diffère en fonction de leur habitat, mais je trouve cela ravissant. C'est comme s'ils portaient fièrement les couleurs de leur environnement. D'ailleurs, tous les habitants de rusticité viennent d'horizons très différents, n'est-ce pas? Ne serait-ce pas fabuleux si chacun portait des vêtements de couleurs différentes selon ses origines, comme les Sakuki. Sakuki, ouais. Oh, je sens l'inspiration monter. Ok. Grâce à ce nouvel élan d'inspiration, j'ai pu créer de nouveaux articles. Regarde donc. Mission secondaire numéro 45, inspiration Sakuki, nouveaux articles à la maison du textile. Parfait. Ah, une autre. Alors, dis-moi, cela te plairait-il que j'étende la sélection des vêtements disponibles ici? Oh oui. Être sans cesse à la recherche de nouveaux styles et le devoir de ceux dont l'élégance n'a pas de limite, peux-tu m'apporter un chenicel et je vends... Que je m'en inspire pour créer de nouveaux vêtements. Inspiration chenicelle, mission secondaire numéro 63. J'en ai des chenicelles ou pas? Chenicelle. Déjà, on va tout trier. On l'a pas. Hein. On n'a pas de chenicelle, malheureusement. Ah oui. J'en étais sûr. Non, je veux voir les articles. Mais ça passe trop vite, ce truc. Voilà. Voilà. Acheter des vêtements. Merci. Donc, on peut peut-être acheter des vêtements plus tard. Hein. Rien que le bas. Mais bon, le bas, j'aimerais même le garder. En fait, j'aimerais bien tenter de trouver un truc qui est à peu près dans le style de Link, en fait. C'est ça le problème. C'est que j'estime que ces tenues sont trop... J'aime pas quoi. Je trouve ça pas sérieux quoi. J'aime pas en fait. Enfin si je trouve ça trop sérieux justement. Mais j'aime pas en fait tenue de bandit. Je suis pas très très fan honnêtement. Hein. Bon, il faudra tous les acheter donc de toute manière il n'y a pas le choix. Mais bon. Oui hein, ça sera tout. Merci. Bon moi on aura avancé. On aura fait une quête secondaire. Allez, du coup, on va pouvoir se préparer pour la fois prochaine. Donc, il faut mettre les trois Lexis et le chenipote, tout simplement. Donc, on va mettre dans les garder. Ils sont les petits gardés, merci. Donc, on va mettre à la place de... Alors, du coup, là. Alors, du coup, là. Ah, bah, super. C'est vrai que je peux pas, comme ça. Donc, là. Non. Ça. Merci, comme ça on met ça. Là. Et le chenipot qu'on va mettre à la place de. Non. Le chenipot qu'on va déplacer. Et qu'on va mettre à la place des Palika. Et Palika, du coup, qu'on va mettre. Merde.
Choisir et relâcher. Déplacer. On va mettre là. Voilà. Comme ça, au moins, c'est fait. Donc, comme ça, ouais. Au moins, c'est fait. Donc, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc, les amis, dans l'épisode prochain, on s'attaquera, du coup, aux tâches Pokédex. Voilà. Donc, on aura bien avancé, en tout cas, aujourd'hui. J'estime qu'honnêtement, la session qu'on a fait cette semaine de Flamme Étrange nous a... Honnêtement, elle m'a beaucoup plu parce qu'on a énorme... On croirait pas comme ça, mais on a énormément avancé pour les... On va dire, cette quête secondaire, en tout cas. Et même la quête des secondaires des Arbis. Je sais pas combien on en était au D7 sur 20. Il en reste plus que 11. Donc, logique. On se rapproche dangereusement, les amis, de la fin de ces Arbis également. Donc, il nous en reste plus que 11. Mais bon, voilà, c'est pas non plus grand chose, hein, mine de rien, c'est pas non plus grand chose. Donc, voilà, donc on va juste tout simplement se rendre directement dans les plaines obsidianes. Et puis après, ben, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, comme ça, au moins, ça sera fait. Je vais juste quand même jeter un petit coup d'œil s'il n'y aurait pas un petit shiny qui traîne quelque part par là. Comme ça, au moins, ça serait cool. Voilà, donc je vais juste jeter un petit coup d'œil pour savoir si est-ce qu'il y aurait pas de petit shiny. Mais bon, j'ai pas l'impression. Les étourmis. Ah oui, non, mais c'est vrai que les étourmis vont pas pop. Le jeu, c'est pas considéré comme s'il faisait jour. Il suffit d'être imprimé en plateforme pendant. Oui, oui, oui. D'accord. Ah, les Lexi n'apparaissent pas pour le moment. Ok, on va juste chercher. Aux alentours des Lixi, peut-être Shiny. Voilà, c'est juste histoire de voir si est-ce qu'on a un Shiny ou pas. Hein, là, qui pop, mais j'ai pas l'impression. Un petit. Allez, un petit Lixi Shiny, pas du tout. Pourtant, il est pas en parfait, mais bon, il est. Il a complété, quoi. Non, je n'ai pas l'impression qu'il y a un Lixi Shiny, malheureusement. C'est triste, mais c'est comme ça. Ready? Ok. En fait, ça fait comme si ça brillait, des fois. Le soundtrack est très bizarre, honnêtement. Ok. Non. Il n'y a pas d'étourmis shiny. Hein. Ouais, parce que je me suis dit peut-être. Et les trois et les Lixi qui sont ici, est-ce qu'il n'y en aurait pas un shiny peut-être? Non, il n'y en a pas un shiny malheureusement. Ouais, parce qu'on jette quand même un petit coup d'œil. Hein. Si on peut tenter d'avoir cette chance. Mais bon, on l'a pas malheureusement. On l'a eu qu'une fois, hein, vraiment, cette chance. Premier épisode c'est de la session d'ailleurs, c'était assez fou. Mais voilà, donc écoutez, en tout cas, je suis très heureux, on aura bien continué. Alors c'est vrai que par contre, du coup, en fait, ici, je peux peut-être en faire autre chose, genre tout ce qui est basé sur les statistiques, en fait. Honnêtement, ici, peut-être, je peux mettre les Pokéballs et les matériaux de confection, je pense que ça peut être une très bonne idée. Et je pense qu'en fait, limite, je vais peut-être le faire maintenant. Les amis, je vais peut-être le faire maintenant, en fait. Donc, genre, mettre ça là. Tac. Tac. Parce que, en fait, honnêtement, Pokéball, l'expérience. Tenter de mettre. Non, en termes de maths, quand. Ça. Prendre ça. Bon, ça, vous voyez. De bois, tout ce qui est vendu, les et par exemple, mais bon, écoutez, genre par exemple, on peut les buffs, ça concerne l'évolution, donc voilà, on peut peut-être par exemple mettre les évolutions et peut-être les sables, enfin, que les sables efforts, à mon avis. Je pense que ici, on va mettre toutes les pierres d'évolution. Et on va mettre peut-être les appâts aussi. Donc tout ce qui est un peu, voilà, vous voyez. Voilà. On va peut-être mettre les sables efforts en même temps. Donc par exemple,
Des noix grumes rongées. C'est un matériau de convection. Alors, on va tenter du coup de mettre ça. Les Pokéballs là. Donc, on va mettre ça là comme ça. On va mettre ça comme ça. Genre comme ça par exemple. On va mettre ça comme ça aussi. On va mettre nos noix grumes là. Ensuite, on va mettre les bonbons par exemple. Small, moyen, large et carrément la montée de niveau ici. Ensuite, le fer, on va peut-être le mettre là, à la place du bois, à côté du bois, voilà, comme ça. Donc ça, par exemple, après, c'est d'un certain Pokémon, on peut le mettre là. Ensuite, ça, on peut le mettre là, donc tout ce qui est sable et fort et tout ça. Genre, par exemple, on va rocher et fort, c'est le mastodonte des trucs. Donc voilà, on va mettre ça, les pierres et fort là, les sables et fort là. Parce qu'il nous manque le rocher des forts, il me semble, de inférieur à 3, 6, 6, 8, 9, donc il manque le 5, 4 à 6, enfin je crois que c'est 4 et 5, il me semble. Style rapide, donner une capacité, donc ça c'est le genre de buff, donc on peut le garder. Voilà, donc vous voyez, et là on va peut-être mettre les appâts aussi, tout simplement les appâts qui peuvent être très sympathiques ici. B et appâts, donc voilà, comme ça au moins on met tout ce qui est... on va tout retrier comme il faut. Donc oui, limite, je vais prendre un épisode entier maintenant. Enfin, maintenant pour faire ça. C'est la fin de l'épisode. Je voulais pas le faire en plein épisode. Vous couper en plein épisode, ça peut être chiant. Mais voilà. Oh, par contre... Oh putain. Attendez, je sais plus où sont mes trucs. Voilà. Ok. Non, en fait, il faudrait que je fasse... C'est ce côté, en fait. Oui, c'est ce côté. Duck. Ensuite. Merci. Donc genre, par exemple, on va mettre... Les appâts comme ça en ligne, ça sera mieux. Voilà, tac tac, buff. Du coup, la boule de boue, c'est aussi un buff. Mais les baies, j'aimerais bien les garder là. En tout cas, les baies, c'est sûr qu'on les garde là. En revanche, les appâts, on les change de place comme ça, ça libère un peu plus d'espace. C'est un petit peu plus organisé parce que là, on peut pas y arriver sinon. Ok. Très apprécié d'un certain Pokémon, hein. Donc on va mettre ça là. Ça aussi. Ensuite, tout ce qui est comme ça là. On peut tenter de les mettre. Ouais, mais après, si je déplace tout là. Non, je vais pas déplacer tout là justement. Parce que voilà. Truffe sucrée. Donc en fait, là, il faut maintenant que je mette des petites truffes comme ça. Tout ce qui est comme toutes les petites boules comme ça, on peut les mettre là. J'étais con, évidemment. On va mettre... mais quel abruti! Voilà. Ensuite, ça, on va mettre ça là. Et ça là. Voilà. Comme ça, au moins, on a Pokéball et extra. Donc, Pokéball. Et on va peut-être me changer. On va peut-être pas marquer extra. On va mettre stats. Je me comprendrai comme ça. Tac. Merci. Ensuite, ça c'est tout ce qui est buff. Buff. Et altération. Voilà. Je vais marquer plutôt altération. Faut juste savoir comment on l'écrit. Alté. Je suis pas fort en orthographe, donc de base. Surtout en français. Donc alté, peut-être. Ça, altération. Alors si je fais une faute, hein, j'irai le corriger du coup dans les épisodes prochains. Avec un S à la fin. Voilà, les altérations, Pokéball et stats. Parfait, donc nickel, Pokéball. En fait là ici, il faut que je mette Pokéball et stats. Non, Pokéball plutôt. Pokéball, matière première. Voilà, on va marquer ça. Ah, mais c'est pas matière première les Pokéball, hein. On va marquer Pokéball. Si, on va dire stat. Voilà, on se comprend, stat. Voilà, on va chercher, on va pas épiloguer longtemps. On va pas épiloguer longtemps, donc voilà, herboriste. Herboriste. Augmente les stats des Pokémon. Plante répulsive, le radis, personne n'a vertu, le radis pour confectionner des bouches bleues. Les plages, et pousse. Ah, se retrouve sur les. À l'origine, sur les plages.
et pousse maintenant dans les sols gelés. Ah, donc c'est peut-être dans le terre immaculée qu'on a trouvé ça. Ok, donc du coup, ok. Solution furtive. Du coup, on va mettre les solutions furtives là. Parce qu'en fait, honnêtement, on peut, les solutions furtives, on peut peut-être les laisser dans la pharmacie. Téléphone pleure quand elle me vient. En fait, là, je pense que ça peut être bon. C'est assez rangé. Honnêtement, je pense que ça peut être bon. C'est assez rangé. Voilà, c'est tranquille. Matériaux de confection, bah du coup en fait ça je sais pas quoi en faire, honnêtement. Là il y a tous les B, donc bon je sais pas quoi en faire. Limite B et je sais pas quoi en faire, honnêtement. En fait faudrait peut-être mettre le truc herboriste avec pharmacie en même temps. Le problème c'est qu'après ça va être trop le bordel, donc. Je sais pas. Parce qu'en fait, il y a pas mal de trous comme ça, mais je pensais qu'on allait peut-être pouvoir obtenir d'autres matériaux, mais pas du tout en fait. Je pensais que le jeu allait être encore plus riche en termes d'objets, mais pas du tout en fait. Bon, au moins ça c'est fait. Bon, écoutez, au moins on aura mis 10 minutes, c'est vrai, mais bon, écoutez, au moins, voilà, on sera bien organisé pour les fois prochaines. Et du coup, ben voilà, donc. D'ailleurs, petit récapitulatif rapide du Lixi de Chenipot pour savoir un petit peu ce qu'il nous reste en termes de Lixi de Chenipot. Donc, en termes de Chenipot, c'est dans l'essai normalement, donc. Voilà, donc le petit Chenipot, il nous reste un spécimen poids plume à attraper. Et il nous en reste encore plein à vaincre et l'espèce à utiliser d'Arvenin. On doit impérativement tenter de faire monter de niveau le Chenipot parce que du coup ben, on doit utiliser ses capacités. Donc voilà, il faut qu'on utilise d'Arvenin. En termes de Lixi, au niveau du Lixi, en revanche, il y a énormément de choses qu'il nous reste à faire. En fait, il y a entre les évolutions, mais qui sera à mon avis dans pas très longtemps, l'espace utilisé morsure. L'espace est utilisé vive attaque, donc il faut faire du combat. Spécimen vécu par une capacité de type sol, donc ça peut être assez facile. Pareil, au niveau du vaincu, ça sera fait assez facilement et même pour rattraper. Mais c'est les capacités à utiliser, donc en fait, il faut obligatoirement jouer l'élixir jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Et pareil pour les chenipotes au bout d'un moment. En fait, les chenipotes, le seul bémol, encore, je trouve pas que c'est un bémol, mais. Le seul petit problème, c'est que c'est en fait un Pokémon trop sensible, honnêtement. Hein. Et donc du coup, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire, mais il y en a beaucoup à vaincre. Mais le problème, c'est qu'on doit utiliser Chenipot. On doit utiliser d'Arvenin. Et ça, c'est un problème, parce qu'utiliser d'Arvenin, c'est suicidaire, honnêtement, pour un Pokémon comme ça. Après, c'est vrai, il y a la solution de genre, on met, et je pense que c'est peut-être ce qu'on fera quand on aura, du coup, réussi à attraper tous les Chenipot et à faire évoluer peut-être les Lexi. On remplira, tout simplement, la liste, mais de chez liste, des Chenipot. Donc, on laissera toujours un Pokémon assez haut niveau, sûrement Itran, c'est maintenant notre nouveau starter, on va dire. Donc, notre Itran, tout simplement. Et en fait, tout simplement, on mettra que Itran et en fait tous les autres Pokémon. On mettra par exemple la blinde de Chenipot. Et après, on fera de même pour le Lixi quand on aura du coup tout débloqué correctement. Donc voilà. Voilà, ça sera comme ça qu'on fera. Du coup, comme ça, au moins on est tranquille. Merci les amis de m'avoir suivi pour cet épisode. Et on se retrouve du coup pour l'épisode numéro 80 au cas où. Mais par contre, je vous dis, et c'est même sûr, on repart par contre sur un petit planning le temps de quelques semaines pour me laisser un petit peu souffler aussi de mon côté parce que j'ai enregistré beaucoup de vidéos, j'ai fait beaucoup de vidéos en ce moment et donc du coup j'ai besoin de souffler un petit peu entre le tas et tout ça. En fait, j'ai besoin de vacances, voilà. Donc honnêtement, voilà, c'est pour vous dire que du coup, ben là, vu que j'ai besoin de vacances, il est fort probable que, alors vous, ça va pas être impacté, mais dites-vous que si, entre autres, parce que vous allez avoir du coup moins de vidéos qui vont popper dans les semaines qui arrivent, parce que moi, de mon côté, je suis obligé de me reposer, mais je suis obligé d'enregistrer aussi en même temps. Donc j'ai besoin de diminuer quand même le temps de travail pour me concentrer sur, on va dire, le futur en termes d'émulateur et tout ça, donc j'ai pas le choix.
Et du coup, ben voilà, au moins vous êtes un petit peu au courant. Et on est arrivé à 50 minutes, donc c'était un épisode très très long, oui je sais. Mais pour, voilà, il fallait quand même qu'on fasse plein de choses avant de s'arrêter. Le rangement était très important. On est bientôt membre 7 étoiles, mine de rien, on se rapproche dangereusement. Aussi, il faudra du coup aller du coup dans les prochaines zones, justement pour tenter d'attraper encore les, d'autres Pokémon. J'hésite même à pouvoir partir bientôt parce que je vous avoue que faire que de la plaine obsidienne, ça peut peut-être saouler tout le monde. Donc je verrai, tout dépendra de mon humeur, tout dépendra de comment on gère ça, sachant que du coup, les... après le prochain Pokémon, après l'Elixir et tout ça, ça sera logiquement le Ponyta, enfin les Ponyta et Mustiflotte. Logiquement, je pense qu'honnêtement, il risque que ça être... Enfin, je pense qu'il y a même des chances que ça soit Ponyta et Mustiflotte. Donc, logiquement, Ponyta, on va quand même juste regarder un petit peu, mais Ponyta, Ponyta, Potier, pas Mustiflotte. Déjà, Mustiboué, pardon, c'est Mustiboué, c'est pas Mustiflotte. Non, c'est bien Mustiboué. Oui, c'est ça, c'est Mustiboué plutôt. Donc, en termes de Mustiboué, bon, honnêtement, il reste plus grand-chose. On a déjà bien commencé. Il faut juste qu'il utilise Aqua Jet. Bon, ça va être assez facile. Capacité de type électrique, on met un petit Lixi et c'est fini. Vaincu, assez facile. Grande taille attrapée, il nous en manque plus que deux en termes de grande taille. Et spécimen attrapé, il n'y en a plus beaucoup. Donc ça, honnêtement, ça va être très rapide. En revanche, les Ponyta, à mon avis, voilà, les Ponyta, en revanche, ça va être très compliqué parce que il y en a beaucoup, enfin il y en a pas beaucoup attrapé, mais c'est très rare, c'est un Pokémon qui apparaît deux ou trois fois il me semble, et on doit du coup revenir, repartir, donc il faut dormir plusieurs fois. En plus il faut attraper des poids lourds, il faut en vaincre aussi, il faut en vaincre par une capacité de type eau, donc on utilisera sûrement un Mustiboué, un Mustiflotte ou je sais pas quoi, on utilisera un Pokémon, en tout cas une capacité de type eau pour le vaincre. Je pense que même peut-être qu'un de nos Pokémon peut-être en a un. On verra. On doit en plus du coup le jouer derrière pour qu'il utilise Flamèche et on doit lui donner de la nourriture. Donc oui, il y a beaucoup de boulot. Hein. Il y a beaucoup de boulot pour le Ponyta. C'est lui qui va nous prendre énormément de temps. Donc voilà. Et puis que voulez-vous que je vous dise, je pense que voilà. Bah, moi, vous êtes un petit peu au courant. On a quand même pas mal de petites choses à faire dans le futur. Et puis voilà. Écoutez, en tout cas, épisode 87, il me semble aujourd'hui, de Légende Pokémon Arceus. On aura fait quand même, mine de rien, 6 épisodes. On aura, mine de rien, bien avancé. Et voilà, bah écoutez, moi je vous dis à très vite pour du coup l'épisode numéro prochain, que je sais plus c'est lequel, évidemment j'ai l'Alzheimer. Je crois que c'est 87 ou 88. C'est 88, ouais. Donc, dans l'épisode 88, du coup, qui apparaîtra logiquement demain. Je vous le dis, demain, normalement. Bien, c'est bientôt minuit, du coup, alors vous regardez cette vidéo normalement. Mais, soit si vous le regardez à l'heure de sa sortie, mais normalement, il apparaîtra lundi, donc à l'heure habituelle. Et après, par contre, vendredi, parce que j'ai vraiment besoin de diminuer le temps. Et on se concentrera, du coup, sur les tâches Pokédex. Et dites-vous qu'au niveau des flammes étranges, on y retournera pour un futur gros planning. Voilà. Donc on n'y retournera pas de sitôt, enfin tout dépendra de quand est-ce que je ferai le prochain gros planning. J'aimerais bien en faire un autre en juillet, honnêtement déjà ça serait bien d'en faire un autre en juillet. Donc on fera du coup les flammes une grosse partie des flammes étranges en juillet. J'aimerais réussir d'ailleurs à faire toutes les flammes étranges en juillet, ça serait le top. Mais bon, on verra, sur la prochaine session ça serait le top de récupérer les 33 flammes étranges qui nous restent. Sinon bah tant pis, on fera d'autres sessions derrière, mais voilà. Donc, logiquement, prochaine session de quête secondaire, c'est aussi durant la grosse session, la session des 6 épisodes dans le... ou 5, ça dépendra, 5 ou 6, tout dépendra, en fait. Mais, ça sera compté, en tout cas, dans la session du gros planning, voilà, du prochain gros planning. Et concernant, du coup, les tâches Pokédex, ben, on va y rester pendant au moins, honnêtement, je pense, je peux même vous le dire, au moins pour 3 semaines. Voilà. Logiquement, pour 3 semaines. Je veux faire 3 semaines de mini-planning pour souffler de mon côté. Et du coup, voilà, hein, au moins pour être tranquille. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.